Et salut à tous, c'est Montage 203 et nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve sur Energy Play. J'avais fait une vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à la voir si vous voulez plus d'informations sur ce serveur. Alors, c'est un serveur donc PVP. Là, je suis... non, pas PVP, semi-RP, pardon, excusez-moi. Là, je suis sur ma parcelle, ça c'est ma parcelle, qui est délimitée. C'est du 50 sur 50 et je suis en train de tout miner en fait pour au final faire des étages comme ceci. Donc là je prends de la canne à sucre parce que j'ai le métier fermier et comme ça je gagne de l'argent tout simplement. C'est pas si simple, aussi simple que ça. Voilà, tac, comme ceci. Et de l'autre côté. Après, on va aller à une autre parcelle qui n'est pas à moi. Où je vais récolter un peu de blé, de canne à sucre. Je vais aussi peut-être continuer mon usine à cactus. Ce serait intéressant. Ah ouais, je vais voir combien j'ai besoin pour monter d'un rang. Là, je vais aller là, comme ceci. Cette épée. 300. Donc c'est 300 000. Je vais dire 250 000. Voilà. Donc. Là c'est ma parcelle, donc tout ça je dois encore miner, j'ai pas encore eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps plutôt. Alors ici il y a des cactus, donc ça je compte en fait faire tout l'étage avec les entonnoirs, ben je compte mettre des cactus. Donc là vous voyez que ça fonctionne très bien. Mais bon, j'aimerais que ça avance un peu plus vite. Parce que je trouve que les cactus ils montent pas assez vite à mon goût. Là, ouais, j'ai que ça. Ils montent pas assez vite à mon goût. Vous savez pas, on va en faire tout simplement. Comme ça, vous voyez que moi je fonctionne. Hop, on a des cactus. On prend un peu de sable. Et des barrières. Je sais pas. Ne dis pas qu'il a pris mes barrières. Ouais, il y a pas de barrière, ok. D'accord. Bon, là, j'ai du bois. Comme ceci. Là aussi, j'avais du bois, ouais. Ouais, bon, on va pouvoir faire. Ouais, on va faire plein de barrières. Et puis, tac, comme ceci. Encore. Tac. Autant tout utiliser. Et là, on va faire des barrières. Voilà. Et cela encore. Comme ceci, tout simplement. Des barrières, il m'en reste 4. Les 4, on va les mettre dans le coffre, vite fait. Tac. Celui-là, il est plein. On va les mettre dans celui-là. Et voilà, tout simplement. Là, j'ai combien de cactus encore? J'en ai eu 23. Vous avez vu, ça va quand même assez vite, les cactus. Je trouve là je vais juste prendre une hache, déjà deux des cactus, donc il y en a deux. On va revenir juste après, on verra combien il y en aura. Voilà, là je dois juste remettre les entonnoirs dans le bon sens parce que ils sont mal mis en fait, ils étaient mis pour autre chose et puis voilà. Donc là je les remets dans le bon sens, j'enlève tout au pire comme ça, tac. Voilà, on enlève tout, allez, comme ceci, voilà. Alors j'ai 39 000 d'argent, donc il me manque 250 000 pour monter de grade,
Franchement, c'est un peu exagéré le. Mais bon, sinon c'est normal, tout le monde monte très vite. Donc je trouve ça normal. Allez, tac, ceci. On va aller jusqu'au bout. Et voilà. Alors, on va juste remettre le sable pour mettre les cactus après par-dessus. Comme ceci, tac, tout simplement. Hop, nickel. Voilà. Pas encore tout bon, tac. Vous devrez aller chercher du sable aussi. Voilà. Et voilà, on va pas. Vous savez quoi? Je vais faire une avance rapide et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Eh bien nickel, voilà, j'ai fait une ligne, ça va, je suis content. Tac, on va descendre, on va prendre tous les cactus et on va aller les vendre, tac, comme ceci. Donc il faudra que je vienne vider les entonnoirs. Pourquoi il y a des entonnoirs qui se sont pas. Ouais bon, on verra plus tard. Sûrement qu'ils sont bloqués par du sable ou je ne sais quoi. Enfin, c'est parce qu'il y a des trucs qui descendent en fait. Ok. Ouais, non, je sais pas. On verra. Alors, donc, shop. Les cactus sont tout droit à droite, tout simplement. Donc, là, tout droit à droite. Et là, clic gauche. Allez, hop. Ça. C'est fait. On va aller au home. Est-ce que j'ai de la canne à sucre? Oui, j'avais pris de la canne à sucre. Est-ce qu'elle s'est refaite? Ouais, ça va. Ça va, c'est raisonnable. Allez, on prend tout. Et on peut aller aussi leur vendre après, tout simplement. C'est plus intéressant la canne à sucre que le cactus. Ça, c'est à savoir. Mais bon, si on peut avoir du cactus qui se récolte tout seul, moi je ne dis pas non. Tac. Vous vous dites sûrement pourquoi ne pas faire la même chose avec les pastèques et les citrouilles. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à faire un système de restaume. Je sais le faire, mais je vois pas. Enfin, ça prendrait trop de place en fait pour ce que c'est.
Tac, et vous voyez le truc de cactus que j'ai fait, ça prend peu de place, j'ai un stock toutes les minutes, je crois, environ, on va dire. Et donc, franchement, je préfère les cactus. On va aller tout simplement à mon home sur le terrain de quelqu'un. Là, nous avons donc un champ de blé, si je veux faire du blé. En dessous, un champ de canne à sucre. Alors, donc, on va se faire vite fait du blé. L'argent va monter, tac. Donc, dans cette vidéo, c'est plus pour vous montrer un peu les astuces, comment gagner de l'argent vite fait, facilement. Donc là, je suis fermier et je suis pelleteur. D'ailleurs, pelleteur, on va aller pelleter du sable juste après. Hop. C'est bon. Presque au bout. Alors, ça m'en dit ces petits trous qui restent. Voilà, il y a un petit encore là. Et voilà, alors. Ouais. Ça aussi, on peut aller vendre au shop. Donc, on va vendre. Comme ça, on va se faire un peu d'argent aussi. On ne dit pas non à l'argent, bien sûr. Hein. Tac. Alors, j'ai du blé. Je le vends. Nickel. Et ça se vend bien, très bien le blé. 75 pour 32. 75 PO pour 32 blé, franchement. Les graines, c'est moins. Enfin, c'est moins intéressant de les graines, mais bon. On a les deux, donc voilà. Alors, on va aller prendre du sable. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, pourquoi tu voles, c'est de la triche. Non. J'ai le grade youtubeur. Et donc voilà, tout simplement. Donc c'est normal que je vole. Là, on va se prendre du sable. Hop. Voilà, on descend. Je fais son petit truc, tac. S'il veut pas descendre, il va sur le côté. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Toujours plus bas. Je gagne la poudre, de l'aluminite, c'est ça? Parce que, en fait, c'est avec le talent excavation. À un moment, on va gagner les diamants, etc. Ça dépend le nombre. Moi, je suis à 178 d'excavation pour l'instant. Mais ça monte assez vite, donc n'hésitez pas à prendre. Apprendre pelleteur, c'est vraiment pas mal comme job. Tac, 9 de l'uminite, c'est vraiment intéressant. Voilà, on va plus loin. Hop. Allez, on continue. Donc voilà, tout simplement, vous faites ça. Puis voilà, là regardez, j'ai 39 000. 117, hop, je vais faire une avance rapide et vous verrez combien j'aurai. Allez, c'est parti. Et voilà, vous voyez, j'avais 39 117, il me semble, et là j'ai 39 556. C'est 400 en pas beaucoup de temps, en fait, tout simplement. Mais bon, là je suis niveau 22 en terraformer, mais imaginez si j'étais niveau 100, ce serait encore plus. C'est
Voilà quoi, c'est vraiment intéressant le. Je vais juste faire le job d'info pour vous montrer. Terraformer, tac. Oui, c'est vraiment très intéressant, hein. Je gagne presque 2 par cube que je casse. Franchement, c'est. Ouais, c'est intéressant quoi, enfin. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. On monte très vite et voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, c'était mes petites astuces pour bien débuter sur le serveur. Donc, si vous avez des questions ou autres concernant les métiers, etc., vous me le dites et peut-être que j'en ferai une vidéo, on verra. Allez, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, donc la semaine prochaine. Ou peut-être plus tôt, on ne sait pas. Et puis voilà, allez. À la prochaine pour une autre vidéo. Salut!